Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la DT de custodeco.com. Je voudrais qu'on réalise ensemble cette petite valise qui peut servir donc de home déco, mais qui peut servir également à d'autres petites choses. Je vous fais un petit point quand même rapide. C'est les vacances, mes enfants et mon mari sont là. Du coup, il y aura forcément des petits bruits. Mais je vais essayer quand même de vous réaliser cette vidéo comme je pourrais. Donc, je voulais vous proposer donc cette petite valise qui est très sympa et qui fait en fait 16 cm sur 11 cm. Et quand on la coulisse, vous avez une petite boîte donc qui contient des photos 10 par 15. J'ai fait exprès de faire ce format. Tout simplement, imaginons que vous ayez pris 200 photos d'un endroit. Vous n'avez pas envie de faire un énorme album. Et souvent, ça contient une cinquantaine de photos, les gros albums, pas 200. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir un petit rangement pour ranger ces photos tout en ayant quand même scrappé quelque chose. Par exemple, vous avez des amis. Oh, regarde, je vais te montrer les photos de mon voyage à Center Park ou à la montagne ou je sais pas, ça fait un peu forêt tropicale. Et donc, du coup, vous sortez tout simplement les photos comme ceci. Et puis, vous les sortez et vous les montrez à vos amis. Et je trouvais le principe très sympa. Donc là, j'ai réalisé cette valise sur le thème un petit peu, voilà, des vacances. Et on va en faire une autre toute blanche pour pouvoir avoir le tutoriel. Donc, on y va. J'enlève ça. Il vous faudra, pour réaliser ce tuto, deux basils. Donc, voilà, après, ça peut être la couleur que vous voulez. Hop, donc pour l'autre, j'ai utilisé un basil de la couleur tuile, je crois que c'est ça. Et puis, donc pour la petite caissette, j'ai utilisé un basil vert du bloc de chez Artemio où il y a toutes les couleurs. Voilà, là on va prendre deux blancs. Donc, on y va, on commence d'abord par réaliser la petite caissette, tout simplement, parce qu'après on vient couvrir autour de cette caissette, on fait le tour avec le papier. Donc tout simplement, on a dit que c'était des 11 par 16 pour pouvoir y mettre des photos 10 par 15. Donc 11, et on va faire 2 cm d'épaisseur, donc on rajoute 2 cm de chaque côté, ça fait 4 cm, plus 11, ça fait 15. Voilà. Donc là, on peut venir couper. Ensuite, on fait 16, plus 4, ce qui fait 20. Voilà. Tac. Et donc ensuite, quand on a ce rectangle de 15 par 20, on va venir, donc vous enlevez la lame, on va venir avec le plioir sur le 2 cm. Voilà, on va venir plier les quatre coins. Les quatre côtés, je veux dire, pas les coins. C'est les vacances, il fait chaud. Je vous ouvre peut-être, ça fera peut-être plus de luminosité. Hop. C'est vrai qu'il fait chaud, alors pas évident. Hop. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, la petite caissette du fond est faite. Vous pouvez faire une petite encoche si vous trouvez ça plus pratique. Personnellement, je vois pas trop l'utilité. Et donc, pour cette caissette, vous allez tout simplement plier. Hop, hop, et ensuite on va venir couper les coins, donc pas entièrement, juste comme ça on laisse la languette.
Voilà. On fait juste une entaille sur les quatre coins. Toc. Pour pouvoir avoir hop, la caissette comme ceci. Donc je le collerai tout à l'heure parce que ça prend du temps de coller. Donc je vous laisse le coller si vous voulez. Mais on peut le mettre de côté. Et on prend donc la deuxième faille. Et là, on va venir la couper donc à 16 cm. C'est à peu près là, hop. Voilà, là vous coupez. Donc une fois qu'on a les 16 cm, on va faire un pli. Donc là c'est les plis, hein. Vous pouvez retirer la lame. On va faire un pli à 1 cm. Ça va être le petit endroit pour coller. Voilà. Le petit endroit pour coller. Donc vous reprenez votre feuille dans l'autre sens. Et donc là, on va faire la première face. Donc là, la première face. Ensuite, le petit côté. Ensuite, la deuxième face. Et ensuite, le quatrième côté. Donc, pour faire ça, donc, la caissette fait 11. Mais vu qu'on fait le tour, il faut qu'il y ait un peu plus. Donc, on prend 11,4. Donc, si vous n'arrivez pas, en fait, vous prenez 12,4. Ah, c'est pile dans le crochet. Voilà. Et là, on plie. Voilà. Ensuite, on va venir rajouter 2,4. Donc, on va faire 1, 2,4. Voilà. Donc vous pliez, je vous dis sur quoi ça tombe, sur 14,8. Ensuite, on va venir rajouter 11,4. Il m'aurait fallu une calculatrice à côté de moi. Puis vu que je filme avec mon portable, j'ai pas accès à ma calculatrice. Bon allez, on y va. Claire, concentre-toi. On va dire 15 plus 11, ça fait 26. 26. Plus 4, ça fait 26,2. Voilà. 26,2. Je ne suis pas très forte en calcul mental, vous m'excuserez. Et là, on rajoute 2,4. Donc, 28,6. 28,6. Et là, on coupe. Voilà, il vous reste une petite chute. Et là, donc, vous avez, hop, j'essaie qu'on voit bien avec la lumière, vous avez normalement 4 plis. Voilà. Hop. Et donc, on va venir coller ça comme ceci, ce qui fera en fait le moule. Je vais tout coller et on se retrouve tout de suite pour la suite. Bon, alors du coup, j'ai fait mes petits collages. Et donc, quand c'est collé, vous mettez du double face sur la petite patte et vous venez donc se joindre tout simplement. Je vois rien là. Je le fais juste à côté. C'est pas facile de se filmer en même temps. Donc, vaut mieux le faire proprement. Voilà. Donc, vous vous retrouvez avec. Une petite valise comme ça.
Et donc le casier qu'elle tente sécher qui va venir se glisser à l'intérieur. Voilà. Donc, avec la petite chute que vous aviez, vous la coupez à 1,5 cm. Et ensuite, on va venir couper les coins. Coupez-les comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Si c'est symétrique, c'est quand même mieux. Ensuite, vous allez venir plier à 1 cm. Vous rabattez comme ceci et là on va venir mettre de la colle. Voilà. Tac. Et vous prenez donc votre valise et vous venez mettre les petites encoches comme ça. Hop. L'autre à peu près à la même distance. Voilà, là je pense c'est à peu près pareil. Vous le tenez un petit peu. Que ça fasse la anse, tout simplement. Et voilà. Et donc, je voulais juste ici faire une reliure. Hop. Donc, on va dire que ça passe comme ça. Après, ça, c'est de la décoration. Tac. Je le plie à la main. Ça, c'est, il n'y a rien de tel. Parce que si vous le faites avec le plioir, bah, les mesures, c'est pas exactement les mêmes. Et après, c'est un peu galère. Je vous montre comment j'en fais une et après je ferai l'autre hors caméra. Tac. Vous voyez, bim, ça se rejoint parfaitement. Voilà, je vais les coller et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai collé les petites lanières. J'ai envie de coller ce petit truc avec un titre. Enfin, vous verrez ça plus tard. J'ai un projet avec cette valise, mais pas pour cette vidéo-là. Elle est assez longue comme ça. Sur celle-ci, j'avais mis des petits Emmanuel Dots verts pour pouvoir faire un petit peu une finition. Après, vous voyez, ça dépend comment on veut faire. Voilà. Comment elles sont. Là, j'ai utilisé ces tampons-ci. J'ai utilisé la feuille qu'il y avait là. Et là, c'est les stickers qui vont avec la collection des papiers. Donc voilà, voilà, je vous remonte ces petites valises en mode vacances et en mode un petit peu photo de bébé. Voilà, deux petits projets un peu home déco si vous voulez les mettre donc chez vous. Ou alors ça peut être pour y mettre un mini album à l'intérieur. Il y a plein de choix possibles. En tout cas, on est parti sur des photos 10-15. Donc si vous voulez faire ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.